Docteur Ibrahim -Agnan, bonjour, vous êtes docteur spécialiste en éco-conception et en construction durable. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Nous sommes à l'Institut français et nous allons parler du développement durable. Bonjour, heureux d'être avec vous. Bonjour Sobel, merci de me donner cette occasion pour parler de, de ce que je fais notamment des initiatives liées au développement durable. Alors, on, on va commencer cette conversation sur une note très simple. Où la caméra est sur vous. Euh, je vous regardais et je me disais, tiens, intéressant, développement durable. Et je vous regardais de la tête aux pieds et je me disais, il est en plein dans un des éléments du développement durable, c'est la production et la consommation de ce qui existe à côté de chez nous. Euh, votre tenue semble être une tenue ici, d'ici, donc une question de conception, de design, mais aussi de textile. Euh, vos chaussures euh, sont en cuir, faites ici, donc maroquinerie d'artisanat. Vous portez une montre d'une marque sénégalaise qui aujourd'hui euh, représente un petit peu le, la, la nouvelle industrie euh, sénégalaise, euh, Made in Sénégal et Made by the Sénégalese, si je peux dire. Et, et je me demandais par contre si vos lunettes étaient faites au Sénégal. Justement, c'est une très très bonne question. Effectivement, mes lunettes ne sont pas faites au Sénégal. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait euh, mettre en place. Pourquoi Parce qu'en mm -hmm. général, le cadre d d des lunettes, ça peut être en titane, mm -hmm. ça peut être un peu plus cher, mais on peut switcher sur un matériau tel que le plastique. Donc mm -hmm. euh, on a la possibilité de valoriser des déchets plastiques. C'est vrai mm -hmm. qu'il y a une typologie de déchets mm -hmm. plastiques qui est assez, euh, assez large, mm -hmm. mais il y a un certain nombre de plastiques qu'on peut récupérer. Comme quoi, plus... par exemple, pour des, donc, pour des amateurs alors, comme moi qui ne s'y connaissent pas bien Donc il y a plusieurs types de plastiques il y a ce qu'on appelle les thermodurs. Et les thermoplastiques euh, du coup. Mmh. Et euh, parmi ces thermoplastiques, vous avez ce qu'on appelle le polyéthylène. Les, vous avez les, les sachets, vous avez le, le polypropylène. On utilise pour faire des euh, des bouteilles. Mmh. Il y a le PE, etc. Mmh. Donc, ce qu'on pourrait utiliser, c'est peut-être de polypropylène, parce on que du lunettes. coup, voilà, c'est un peu plus euh, un peu plus euh, résistant, mais mmh. ça reste quand même flexible. Donc ça, on peut avoir une production sur place mmh. avec du thermoformage, avoir le matériel qu'il faut. Mmh. Et les verres, en fait, c'est de la silice et la silice, c'est du sable. Et il se trouve qu'il y a une étude de caractérisation des déchets qui a été effectuée, notamment, je crois, à Chess, mm -hmm. par l'EPT, il me semble. Et il se trouve que plus de 60% de la, des éléments qu'on collecte euh, dehors, de, de, en fait, c'est du sable. On mm -hmm. est dans un pays sahélien. Mm -hmm. Et justement, l'idée, c'est de récupérer vraiment tous ces résidus-là, les utiliser, les transformer pour en faire des, des produits. Des pièces ou des infrastructures. Et c'est ça le développement durable. Donc ça veut dire que le verre de vos lunettes pourrait être. De, des lunettes que les Sénégalais portent pourraient être euh, produits grâce au sable que l'on veut chasser de chez nous tous les jours. Exactement. Et que l'on met dans les déchets. C'est ça, exactement. Donc une industrie pourrait être créée aussi. C'est ça, c'est ça. ça. Après, il faut réfléchir sur la faisabilité technique. Mm -hmm. Donc ça, c'est-à-dire que c'est une. Justement, c'est là où. Euh, il faut laisser peut-être aux entrepreneurs la possibilité de juger de l'opportunité de se lancer dans telle ou telle activité. Mais si on a, une fois qu'on a la visibilité, plutôt la faisabilité technique, il faut essayer de voir est-ce que ce sera rentable, donc du point de vue économique. Et voilà, du point de vue aussi, enfin, j'ai oublié de dire par rapport à la technique, c'est de voir est-ce que ce verre-là issu du sable entre guillemets sénégalais, est-ce qu'il permettra de, de, de corriger la vue ou en ouais. tout cas Aura un impact positif sur la, la santé oculaire euh, des Sénégalais. Mais en tout cas, il y a une base euh, de, de potentiel productif qui existe autour exactement, de Exactement, exactement. Si je passe au textile, euh, le Sénégal est connu pour être un des pays les plus euh, fashion, je dirais, dans sa production de textile et dans sa consommation. Exactement. Dans un pays où on a l'habitude de dire que nos femmes sont toujours. Bien habillés, euh, nos hommes aussi d'ailleurs. Vous en êtes là, là une démonstration. Qu'est-ce qui aujourd'hui justement peut être fait, sachant que le wax qui est notre identité entre guillemets n'est pas produit de chez nous, mmh. que nos tissus qui sont vraiment des tissus comme l'épi ou le, ou le bogolan, qui sont vraiment des tissus de chez nous, ont une consommation qui reste très artisanale. Euh, aujourd'hui, est-ce que le textile dans le développement durable a une place qui peut compter? Alors, bien évidemment. En ce qui me concerne moi, c'est ce qui m'a poussé un peu à, à faire un peu les études que j'ai faites. Donc, j'ai fait un, un master 2 en sciences des matériaux, sciences et génie des matériaux, puis un doctorat. Et en fait, quand j'étais jeune, j'étais toujours omnubilé par ce qui nous entoure, c'est-à-dire la matière. Et ce qui m'avait choqué, c'est qu'au euh, Sénégal, notamment, enfin, en tout cas dans les pays euh, africains, enfin beaucoup, on, on aime ce qui est exotique, mm -hmm. c'est-à-dire un habit qui vient de France. Mais mm -hmm. cet habit-là, il a été produit à partir de la matière Venant d'Afrique. Mmh. Du coup, je me suis toujours, toujours posé cette question-là. Et donc, du coup, euh, le premier élément pour moi, c'est de donner les outils aux entrepreneurs, aux fabricants justement de textiles, les outils qu'il faut pour vraiment leur permettre de mettre en avant leur créativité. Mmh. Donc, ça justement, en ce qui me concerne en tant que chercheur, c'est peut-être sous ce volet-là que je vais, je vais, je vais, je vais, euh, vais euh, m'épancher. Mais, en ce qui concerne le développement durable, il y a encore une possibilité de recycler les, justement les, les habits qui sont usés mm -hmm. en, en, faisant, en en transformant, en faisant des, des, des éco matériaux par exemple. Mm -hmm. Donc je suis toujours dans cette logique. Quoi, par, exemple? par exemple, vous avez ce qu'on appelle les isolants thermiques. Mm -hmm. Donc vous avez des panneaux qu'on va utiliser notamment soit à l'extérieur ou à l'intérieur, de manière à réduire la charge thermique qui arrive sur le, dans le bâtiment. Donc mon vieux pyjama, il peut aider à Exactement. faire ça. Exactement. En fait, ce qu'il faut, c'est défibrer, parce que ce sont des fibres. Il faut les dépriver. Après, il y, a un, il y a tout un process hein, pour les transformer en, il y a un compactage. D'abord, il y a du nettoyage, il faut trier, nettoyer, compacter, etc. Faire un certain nombre de tests, d'analyses pour voir est-ce que ces matériaux-là, en tout cas ces systèmes constructifs, permettent de, de, de réduire cette charge thermique. Et moi, chaque fois, ce que je vois, c'est que dans chaque secteur d'activité, j'essaie de voir ce qu'il y a en bout de chaîne. Ce sont des déchets. Maintenant, le fait de récupérer ces déchets-là et de les ré réemployer, ou en tout cas d'essayer de voir des options de valorisation, on est dans le développement durable. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, pour répondre à ta question, il y a un potentiel, certes. Il faut justement donner les outils qu'il faut aux créateurs. Et une fois que ces créateurs ont fait des choses, on essaie de voir si on peut récupérer les résidus pour les remettre dans le cycle. Et du coup, on pourrait dire un peu la même chose sur les chaussures en cuir, l'artisanat. Donc, un lien entre l'élevage, le recyclage de tous les produits issus de l'élevage pour en faire plein de choses. Exactement. Pour l'élevage, par exemple, je connais des gens qui ont fait des thèses sur euh, l'utilisation de la bouse de vache mm -hmm. pour faire euh, des écomatériaux. Mm -hmm. Donc, euh, tout ça, je pense que vraiment, on, comme on dit, rien ne se perd, ouais, tout, tout se, transforme. se transforme. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très vrai et encore plus actuel à l'heure du développement durable. Et justement… Le développement durable, ce terme aujourd'hui, l'écologie, euh, la diminution de la consommation enfin de de la consommation de CO2, l'impact euh, euh, sur la couche de zone. Voici plein de mots euh, dont on entend très souvent parler et auxquels les Sénégalais, que ce soit souvent d'ailleurs instruits ou non instruits, ne, ne, ne comprennent pas nécessairement l'enjeu par rapport à, à leur propre vie au quotidien et le voit comme encore une autre notion importée de, de peuples qui consomment énormément de CO2 25 fois plus que nous et qui nous demande à nous d'en consommer moins. Et, 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 et ce n'est pas du tout vu ou en tout cas trop peu vu comme ben, concrètement comme ce que vous venez de décrire, qui sont des éléments qui un peuvent participer à améliorer. Notre, euh, notre vie et nos conditions de vie dans notre consommation, dans notre alimentation, dans notre euh, habillement, mais aussi dans notre habitation. Et vous êtes spécialiste justement de cette question euh, de, de l'habitation. On observe depuis quelque temps des dynamiques intéressantes de, de, de nouvelles formes de construction, déjà d'un point de vue architectural. Qui, qui prennent un peu la suite euh, de l'architecture des années 60, qui porte un nom euh, euh, un peu sur la, le modèle sahélien. Mmh. Euh, soudano L'architecture soudano, -Soudano, -Sahélien. soudano -Sahélien, ouais. euh, et, et, et qui aujourd'hui revient dans, 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 avec d'autres formes de matériaux. On voit beaucoup euh, de constructions en terre crue ou en terre cuite, etc. Mais on a l'impression que. Ça a du mal à pénétrer le marché, ça a du mal à, à être perçu comme accessible et comme intéressant par les, les, les populations. Euh, même dans le secteur privé, on voit très peu de choses. On a, je pense, deux exemples d'hôtels à Dakar l'hôtel Onomo ou l'hôtel Diolof, qui sont partis euh, sur ces choix-là. Qu'est-ce qui est la limite pour vous et, 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 et qu'est-ce qui est le, le potentiel justement pour, pour, pour vous Alors déjà du point de vue euh, technique, ce que je vais peut-être faire c'est parler de la typologie de l'habitat. Mm -hmm. C'est-à-dire avant de parler de, de, de choix des matériaux, il faut savoir déjà comment le, le Sénégalais habite ou a habité. Mm -hmm. Voilà pourquoi on parle de typologie de l'habitat. Et ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que dans tout ce qui est euh, bioclimatisme, c'est-à-dire mettre en place euh, ou en tout cas utiliser des matériaux qui permettront de qui permettrait euh, de, de, de favoriser un confort pour les, les habitants. On se rend compte que il y a des leçons du passé en fait, c'est-à-dire que nos ancêtres ont depuis longtemps appliqué le bioclimatisme, mm -hmm. d'accord Ils ont utilisé des matériaux locaux, ils ont pris en place, ils ont utilisé euh, comme on appelle, euh, ils ont des systèmes constructifs qui permettent plus ou moins d'avoir de la ventilation, etc. etc. Donc actuellement, puisqu'on parle de développement durable, ce qu'on essaie de faire, c'est de tirer des leçons du passé et utiliser les outils modernes qu'on a actuellement mmh. pour les implémenter sur l'habitat actuellement. Mmh. Alors, l'une des, des limites pour moi, c'est déjà que les gens comprennent quel est l'intérêt d'utiliser un matériau, un écomatériau. Le premier intérêt, c'est quoi C'est peut-être environnemental. Ça peut paraître très compliqué pour quelqu'un qui habite à Fongolimi. Mmh. Mais moi, pour moi, on est dans un pays en voie de développement, il faut parler d'argent, mmh. tout simplement. Mmh. C'est-à-dire mmh. que si on est capable de dire que si j'utilise... Euh, euh, un mètre cube de, de tifa, par exemple, c'est une plante euh, qu'on utilise comme matière de, de construction. Mm -hmm. Si j'arrive à faire le rapport entre un mètre cube de tifa et ce que je vais, euh, on appelle, euh, réduire, en tout cas, ce que je vais économiser en termes de consommation énergétique, je pense que tout le monde sera d'accord que c'est le choix faut, sur lequel il faut porter. Parce que, mais sauf que ça, c'est sur du long terme. C'est du long terme. Et on oui. sait que le Sénégalais, dans sa précarité quotidienne, ne pense pas au long terme. C'est vrai. Pense à tout de suite. C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de construire dans ces nouveaux modèles, oui. au moins en ne dépensant pas plus d'argent oui. qu'on aurait dépensé en construisant en ciment. Effectivement, tu as pris l'exemple tout à l'heure de la construction en terre. L'intérêt mm -hmm. de la construction en terre, c'est qu'elle nécessite très peu de transformation. Et qui dit peu de transformation, dit peu d'utilisation d'énergie, mm -hmm. qui n'est pas gratuite. Mm -hmm. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que une, la terre, c'est un matériau... Enfin, qui n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Donc, elle ne nécessite pas forcément un certain niveau de, de, de formation ou de technicité ou un matériel qui est vraiment très lourd. Donc, je, je mm -hmm. pense que ça, c'est quelque chose qui peut, qui peut intéresser les, les populations. Mais moi, j'aimerais bien aussi parler de l'aspect un peu culturel. Mm -hmm. Parce que vraiment, on, est plong, on nous a plongé dans un modernisme mm -hmm. qui ne nous correspond pas forcément. Mm -hmm. Je donne un exemple. Je pense que très peu de gens, en gagnant de l'argent, aimeraient ou verraient. Euh, comme, euh, comme idéal d'habiter dans une maison en terre. Mm -hmm. D'accord Parce que nous, on pense que ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moderne, c'est ce qui vient de l'étranger. Voilà, c'est du béton. Voilà, du béton. Alors que... La tôle. Exactement. Alors que c'est un four, en fait. On mm -hmm. est en train de faire un four, on climatise, ça ne sert absolument mm -hmm. à rien. Donc je pense qu'il y a un travail qu'il faut faire en matière de sensibilisation. Il faut que les sociologues, justement, s'intéressent se, se, à cette question pour essayer de voir comment convaincre les populations euh, à utiliser ce type de construction-là, tout simplement. il faut qu'elles y aient accès aussi. Oui. à ces architectes, à ces ingénieurs. On sait que le, la, la population lambda ne va pas voir un architecte pour construire sa baraque. Comment construire sa baraque en terre Et s'il y a aujourd'hui des possibilités de rendre ces, ces... parce que j'imagine qu'à la base, c'est une tradition. Oui. Euh, c'est un métier, une filière traditionnelle qui a dû être perdue et qui aujourd'hui est devenue une filière plus élitiste dans le sens où il faut un haut niveau d'éducation pour pour y avoir accès. Oui. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il est qu existe, que, quels sont les, les types de passerelles Et je sais que vous avez dit euh, qu'un euh, un des rôles que vous vous voyez jouer, vous, dans cet écosystème, c'est justement être un pont entre le savoir et le savoir-faire, entre ceux qui, ceux qui pensent et ceux qui font, mmh. donc entre la recherche et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, n'y a-t-il pas des efforts importants à faire qui, qui, qui puissent avoir des, des impacts économiques dans, différents, dans différentes. Euh, euh, auprès de différents groupes, je veux dire privés, euh, personnels, familiaux, etc., qui pourraient rendre euh, toutes ces innovations accessibles et, et, et pratiquées Ok, très bien. Moi, je pense que pour moi, euh, pour répondre à cette question, le modèle que je vois, qui me semble. Enfin, il faut peut-être le, le ré réajuster, hein, c'est mm -hmm. peut-être l'incubation. Mm -hmm. C'est-à-dire que mettre en place une plateforme dans laquelle on va, un entrepreneur va disposer, ou en tout cas profiter de l'expérience et de, du savoir-faire de chercheurs, euh, de spécialistes en marketing, de sociologues, etc., pour développer des solutions euh, technologiques et techniques, quel qu'en soit le secteur d'activité, qui seront accessibles aux communautés. Aux communautés, parce que effectivement, je pense que il faut pas qu'on. Enfin, euh, moi en tout cas, c'est peut-être une de mes, une de mes, euh, de mes, de mes, de, mes, de mes batailles, si mm -hmm. je peux m'exprimer ainsi, c'est éviter de créer une sorte de de, de duel entre ceux qui ont fait une formation, qui ont fait des études et ceux qui n'ont pas fait. Mm -hmm. Je pense qu'on est dans une équipe, c'est une équipe de foot, que chacun soit à la hauteur de son potentiel, mm -hmm. ayant un même but, mm -hmm. et voilà. Euh, œuvrant pour que les choses puissent aller de l'avant. En Mais, dernier euh, mot, euh, quel est, qu est pour vous... Vous êtes un spécialiste, vous savez beaucoup de choses sur tout ce qui peut se faire avec tout ce qui nous entoure. Quel est pour vous le conseil à, 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 aux jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui et qui ont encore tant à apprendre sur les potentialités du pays pour qu'ils aient un regard qui soit plus, plus affiné, plus approfondi mm -hmm. sur les questions de ce qui nous entoure et notre capacité à mieux le valoriser Alors pour moi, la, le premier élément, c'est d'être en mesure de, déjà d'être au, au fait de son potentiel déjà. Mm -hmm. Être en mesure de déterminer son potentiel, de savoir de quoi on est capable, de ce qu'on veut faire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est de mettre en lumière tous les problèmes, toutes les, tout ce qu'il y a de mauvais. En tout cas, de nuisibles dans notre entourage. Et justement, en faisant cette corrélation entre notre potentiel et les, les problèmes qu'on a, c'est de là que vont naître des solutions. Et ces solutions, justement, elles sont pourvoyeuses d'emplois. De, Parce mm -hmm. qu'on parle actuellement d'emploi de, pour les jeunes, etc. On parle de financement, etc. Mais pour moi, la première chose, c'est que pour avoir un emploi, c'est être en mesure de mettre en place des solutions. Mm -hmm. D'accord Et pour mettre une solution, encore une fois, il faut savoir de quoi on est capable et de bien identifier le problème, le problème. pour avoir une, une réponse à ça. Clairement. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci, C'était une conversation très intéressante. Merci à l'Institut français pour cette invitation. Euh, et à très bientôt. Merci. À... Terre. <laughs> Merci.